Des lions qui rugissent, des éléphants qui barrissent. On se croirait dans la savane. Et pourtant, c'est bien ce qu'on entendait il y a plus de 20 ans au parc Longchamp. Et des lions qu'on entendait la nuit rugir. Et on pouvait s'imaginer être en Afrique. Alors, pour les nostalgiques, on aimerait bien une rénovation des cages ou des enclos laissés à l'abandon. On assisterait donc à un retour du parc zoologique en plein cœur de la cité phocéenne. On n'est pas sur un nouveau zoo, on est en tout cas sur une volonté de restaurer un patrimoine, donc les fabriques. Vous avez ici la maison de l'éléphant, qui depuis 20 ans souffre un petit peu. Les animaux de l'ancien zoo ont été transférés au parc de la Barbenne, mais les enfants votent pour leur retour ici, à Marseille, et ils ont déjà fait leur choix. Une girafe, un éléphant, un lion, un tigre. Bon, on l'aura compris, la mairie n'envisage pas de zoo ici, mais pour peupler les cages, la rédaction de LCM a trouvé de nouveaux habitants.